مقابلة كلاسيكو كيف كتعرفوا فهي مقابلة اللي كتكون صعبة وتصعب فيها التكهنات. كتعرفوا على أن فريق برشلونة كيتعرف على أنه فريق اللي كيسيطر على الكرة في الجولة الأولى ما سيطرش على الكرة. تكتيكيا ريال مدريد كان أفضل في الشوط الأول، الشوط الثاني هو شوط المدربين. كنتمنى على أنه زيدان يتوفق، وكنتمنى حظ سعيد لجميع مشجعين ريال مدريد والفريق الملكي. على مدريد ينادى على مدريد. Le problème, c'est pas le faute d'arbitrage. Moi, je pense que c'est plus un problème physique. L'équipe n'a pas arrêté. Bon, ils ont pratiquement tout gagné l'année dernière. Ils ont fait la meilleure saison de l'histoire du Real Madrid. Et aujourd'hui, bon, il y a eu le carton rouge qui a beaucoup joué. On a raté au début des débuts de fait. Et voilà. Et bon, tactiquement, Barcelone, ils étaient bien. Et ben, ils ont gagné. Ils ont mérité leur victoire. Il n'y a rien à dire. Mais parce que le Real Madrid est un peu blasé, on sent les joueurs démotivés. Mais je pense qu'ils vont se reprendre en main d'ici le Paris Saint-Germain, inchallah. Il n'y avait pas que ça, on n'est pas bien rentré en deuxième mi-temps. Ils ont eu deux actions, sur les deux actions, ils ont mis deux buts. C'est le foot, c'est pas grave. À la Madrid, il y a Damas. Après, ils ont été plus solides. Ils ont eu deux occasions, on a eu plus. On n'est pas arrivé à concrétiser. Depuis le début de la saison, on concrétise de moins en moins. Donc, c'est pas grave. Le Real Madrid est la meilleure équipe au monde. Le Real Madrid est la meilleure équipe d'Europe. Le Real Madrid ne meurt pas. Le Real Madrid peut passer par des périodes difficiles. C'est pas grave. C'est notre équipe de cœur, on la supportera jusqu'au dernier souffle de notre vie. À la Madrid, Inadamas.